What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on est dans le split, toujours. On va travailler le dos et les épaules. Et oui, parce que dos, ça va très très bien avec épaules. Faut pas oublier ça. Donc, on va faire ça aux haltères, tranquillement. Prépare tes haltères, prépare ton dos. Et on y va en 4 exercices. Premier exercice, rowing aux haltères. Alors, on va se faire 10 répétitions en pronation et 10 répétitions en supination. Ok? Donc, hop, 10 comme ça et 10 comme ça. On va faire ça bien. C'est parti, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Spination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop. Je sais pas pourquoi j'étais sur, Insta Reels. Hop, c'est bon. J'espère que toi ça va aujourd'hui, que ça se passe bien, que tout se passe bien, que t'as passé une bonne journée, ou alors que tu vas passer une bonne journée. Si c'est pas le cas, avec ça, tu passerais une très bonne journée. Moi, ça va très bien. Malgré que là, j'enchaîne mon 1, 2, 3, 4, 5e programme, ou 4e programme, je sais plus. Mais j'enchaîne mes programmes. Ça va, je tiens. Je suis bien. Nous avons de l'énergie. Parce que j'ai pris ma vegan protein water de chez MyProtein, il y a un peu de caféine dedans, donc ça m'a réveillé. Et puis voilà, on est good. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai abordé le thème des compléments alimentaires et des effets que ça procure. Et de combien de temps ça peut agir et tout, parce que j'ai fait des vidéos sur des compléments alimentaires et pas mal de personnes en prennent avec le code DAM sur MyProtein en passant par mon lien. Et pour ça, je vous remercie. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et j'aimerais apporter quelques points dessus parce que je reçois certains messages de oui, j'ai pris ça, mais ça ne me fait rien. J'ai pris ça, mais je ne ressens pas les effets. J'ai pris ça, mais je vais répondre à ça dans cette vidéo. On va parler de ça. Mais bien avant, on part pour la deuxième série. C'est parti, pronation. 1, 2, 3. 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, supination. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 2. Comme je sais que les programmes vont être plus vus que les vidéos où je parle ouvertement des compléments, pour moi c'est important de faire des petits rappels en même temps qu'on fasse le programme. Les compléments alimentaires de style créatine, ashwagandha, BCA, EA, oméga-3, citrulline et tout ce qui ressemble à ça sont des compléments alimentaires qui vont agir sur le long terme, ok? C'est pas parce que tu prends ça là que dans ta séance tu vas sentir que tu es sous ça. C'est pas comme le booster, seulement le pré-workout, c'est le seul complément légit où quand tu le prends, tu fais ah ouais, là je me sens bien, je me sens motivé, ça se voit que j'ai mon pré-workout. C'est juste ce complément-là. Les autres, il faut attendre un peu. Il faut attendre une semaine, 2 ou 3 semaines. Tout dépend des personnes. Par exemple, moi, les BCA, c'est au bout de une semaine ou deux. Ça dépend. BCA ou EA. La créatine, eh ben, je peux la ressentir très vite, comme 2 semaines. Moi, ça varie. J'ai l'impression que c'est tout le temps entre 1 et 2 semaines. Les oméga-3, par exemple, sera au bout d'un mois que je sentirai vraiment les effets. Que je suis dedans, tu vois, ça c'est important. Et là, on part pour la troisième partie. Pronation, on y va.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Il nous en reste une. Donc, voilà, ne sois pas pressé. L'ashwagandha, pareil, ça va pas agir tout de suite. Ok? Faut prendre, faut attendre, les gars. Il faut attendre. C'est pas, tu prends, allez, c'est bon, c'est super. Dans ma prochaine séance, j'ai pris l'ashwagandha, je vais être bien. Non, c'est pas comme ça. Il faut attendre une semaine, deux semaines. T'en prends régulièrement. Et là, c'est bon, là, tu seras bien, ok? Sachant que tu ne seras pas dans un état où ça va te changer, ok? Tu te sentiras juste en forme, prêt pour faire ta séance. Mais tu n'auras pas le regain d'énergie en mode, ouais, c'est bon, là, je suis motivé, je suis... Non. S'il t'arrive des choses dans la vie, par exemple des événements assez difficiles, des baisses de morale, des coups de mou, tu peux prendre n'importe quel complément, ton coup de mou, il sera là, d'accord? C'est psychologique, c'était pas bien de base, le complément ne va pas te soigner dans ça, ok? Même le pré-workout, il va te réveiller et tout, mais si t'as un coup de mou, bah ton coup de mou, il est là, malheureusement. Ton coup de mou, il est là, le seul truc que peut-être ça peut te changer, c'est soit être accompagné par une personne, un pote ou tout, ou faire une vidéo avec moi peut-être. Si je fais une vidéo où je crie, on pousse ensemble, peut-être que là, ça va te changer. Mais aller à la salle tout seul en coup de mou, c'est pas le complément qui va arranger ça, malheureusement. Et ça, faut en parler, bien évidemment. On y va, on fait la dernière. Allez, c'est parti, pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je mets mon trait. On est bon. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice d'eau, on va se faire du bûcheron. Mais du bûcheron en... deux séries actives, j'appelle ça comme ça, le nom, je viens de l'inventer, ok? Ça veut dire qu'on va prendre nos haltères, on va faire une, deux, ça fait une série, ok? Mais on fait nos deux reps activement, et à la fin du deuxième rep, on descend doucement, tu vois? Ça, donc ça fait hop, hop, une, ok? On va faire ça bien, ça nous fait mal, mais c'est ça qui est bon. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop, hop, 1, hop, hop, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 4, hop, hop, 5, hop, hop, 6, hop, hop, 7, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10. L'autre côté, allez, hop, hop, 1, hop, hop, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 4, allez, hop, hop, 5, hop, hop, 6, hop, hop, 7, allez, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10. Ça va faire mal, mais c'est ça qui est bon. Une 30 de repos. Au niveau des marques de compléments alimentaires, maintenant, je suis ambassadeur
MyProtein. Ça veut dire que, voilà, j'ai un code promo avec la marque. Je reçois des produits de la marque. Je peux faire des commandes et tout. Je suis bien à ce niveau-là. Ceci étant dit, toi, tu peux prendre n'importe quelle marque de complément. Je ne suis pas vendeur ni commercial pour MyProtein. Ça veut dire que si, par exemple, je te dis l'ashwagandha en gummies de chez MyProtein, elle est incroyable, elle est bonne et tout. C'est le cas. Mais si de ton côté, tu trouves de l'ashwagandha en poudre ou en gélule d'un autre sponsor ou en gummies d'un autre sponsor, enfin sponsor d'une autre marque plutôt, ou d'un autre influenceur qui le dit, et tu la prends, et tu me dis, dames, je prends ça, et ben c'est bon, je vais pas te dire, non, tu vois, c'est bon, t'inquiète, parce que je reçois trop de messages de, oui, dame, j'ai pris ça, mais d'une autre marque, je suis désolé, et tout, pourquoi tu t'excuses? Pourquoi? Si t'as trouvé moins cher, ou plus avantageux ailleurs, prends ailleurs. Moi, quand je parle du produit, c'est le produit, c'est pas le produit de, non. Prends n'importe quel produit. Allons, on y va pour la deuxième, c'est parti. Hop, une, hop, deux, hop, trois, allez, hop, quatre, hop, cinq, allez, hop, six, hop, sept, hop, huit, hop, 9, hop, 10, ok. On y va. Hop, 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, allez, hop, 5, hop, 6, hop, 7, hop. Hop, 8, hop, 9, hop, 10, ok, 2, tout ça pour dire que toutes les marques des compléments alimentaires sont bonnes à prendre, peu importe, à partir du moment où tu prends ce que moi je prends et que j'ai conseillé, et que je te dis ça, j'aime bien, je prends, et ben c'est bon. On prend pas la même marque, mais si tu prends ce que je prends, c'est bon. Moi, c'est juste que j'aime bien les gummies en ce moment. Parce que prendre des compléments alimentaires en cachet, en gélule, ça m'embête un peu à chaque fois. Parce que tu as tendance à les oublier, tu vois. Tout ce qui est EA... créatine, ça se prend, je sais pas si ça se prend en gélule, mais tout ce qui est en gélule et en poudre, tu vois, ça m'embête un peu. J'aime bien prendre en gummies. En gummies, tu prends comme un bonbon, comme ça t'oublies pas, tu sais que tous les jours t'as ça, t'es tranquille. MyProtein, ils le font très bien, je sais que d'autres marques, je pense, le font aussi, mais moi j'aime bien les prendre en gummies. Si ça t'embête pas de les prendre en gélule, comme des médicaments ou en poudre, et ben vas-y. La créatine, par exemple, en tablette de chez MyProtein, bah, c'est comme un bonbon. Hein. Tu prends, tu mets dans ta bouche, tu croques. C'est super bon. C'est super bon. Et ça, bah, c'est une bonne idée. Créatine, monohydrate en tablette, c'est une bonne idée. Je sais que d'autres marques le font en tablette. Prends en tablette, je te conseille de les prendre en tablette. C'est important. On y va pour la troisième. Allez. Hop. Hop. Une. Hop. Hop, 2, hop, 3, hop, 4, allez, hop, 5, hop, 6, allez, hop, 7, hop, 8, hop, 9, hop, 10, ok. L'autre côté, on y va, hop, 1. Hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5,
hop, 6, hop, hop, 7, allez, hop, hop, 8, hop, hop, 9, hop, hop, 10. Ça, c'est sûr que je vais le refaire en salle aussi. Oh, j'aime bien cet exercice. Oh, j'aime beaucoup. Ça me fait mal, ça me fait du bien. J'ai pas eu mon temps de repos. J'aime beaucoup le ressenti. Mais en tout cas, si jamais tu prends tes compléments avec le code DAMS sur MyProtein, eh ben je serais content. Parce que il y a une petite commission. Enfin, si tu mets le code DAMS et tu passes par mon lien, là j'aurai une petite commission dessus et ça fait du bien. Ça m'aide à faire plus de projets. Bon, je gagne pas énormément de sous dessus, mais quand plusieurs personnes le font, ben ça m'aide à me prendre des compléments et à faire du meilleur contenu pour la chaîne financièrement aussi. Investir dans la chaîne, là, tu vois, on travaille depuis un certain nombre de temps sur YouTube. Quand tu vois toutes mes anciennes vidéos, tu vois que là, on a des lumières, on a des caméras un peu plus importantes, on a plus de choses sur la chaîne. Même ce banc-là, là, ce banc avec lequel je fais mes exercices, eh ben, je l'ai acheté grâce à l'argent de YouTube. Et aussi, enfin, non plus sur YouTube que MP, parce que j'étais pas chez MP, j'avais déjà ce banc. Mais voilà, ça m'aide à investir dans du matériel. Et ça, c'est bien. C'est important. Ouh. Là, c'est la dernière. On va faire ça bien. On va faire ça bien. Mais je force personne à acheter, ok? C'est si jamais tu as besoin d'un complément ou de quelque chose, tu prends, ok? Mais si tu n'as pas besoin, tu prends pas. Pas d'achat impulsif. Ici, on y va. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, allez. 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, ok. Allez, là, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok, on est bien. On va se prendre 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe aux épaules cette fois-ci. Troisième exercice, on va bosser les épaules tranquillement et notamment l'arrière-épaule, ok? Parce que l'arrière-épaule, c'est très important pour bien remplir ses épaules. Et j'ai même pas de mobilité, j'ai même pas touché mon arrière-épaule, c'est incroyable. Mais voilà, c'est vers là, là, ok? On va se faire un double exercice, un double oiseau halter. Oiseau halter en prise neutre et oiseau halter en prise pronation. Okay, on va commencer par la prise neutre qui va travailler l'arrière-épaule mais aussi le dos en général, la partie haute du dos. Et oiseau halter en prise pronation qui va focus l'arrière-épaule. C'est important. Donc, neutre comme ça, pronation comme ça. Okay, c'est important. On commence avec la prise neutre, on va se faire 10-10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Mettre un petit temps de repos. Ok. Comme ça, on est bien. Ça fatigue, hein.
faire plusieurs programmes à la fois. C'est mon quatrième programme. C'est mon quatrième programme. Et ça fatigue. Ça fatigue, mais pour pouvoir être productif sur la chaîne, te proposer plusieurs contenus, plusieurs vidéos, il faut que je sois productif. Il faut que je me fasse mal. Il faut que je sorte de ma zone de confort pour te présenter des programmes qui changent, de la qualité, pour que tu aies un meilleur physique, un meilleur focus dans tes entraînements. Et c'est bien, franchement c'est bien. Mais ouais, pour les compléments alimentaires, vu que j'ai dit que ça allait être le sujet de cette vidéo, te prends pas la tête avec les marques, te prends pas la tête sur le ressenti, c'est pas parce que tu prends de la créatine là que demain tu vas soulever lourd, non, c'est sur le long terme. C'est, voilà, faut en prendre pendant 3-4 mois, et là tu vas ressentir les résultats, tu vas ressentir la force, tu, voilà. C'est là où tu vas voir ce que c'est. On y va, c'est parti pour la deuxième. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Pronation. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez. Six, sept, huit, 9, 10. J'ai même pas mis mon premier trait. Il nous en reste deux. Mais ouais, c'est là où tu sentiras les effets. Avec le temps, parce que le problème, c'est que sur internet, on est tellement partagé avec les gens qui se chargent vite, qui se chargent tôt, que maintenant c'est très difficile de prendre un produit, rien ressentir, ne pas se voir évoluer, c'est très difficile. Parce que j'ai vu un peu les vidéos des jeunes de la nouvelle génération. Ils vont à la salle, ils prennent quelque chose, ils font « Ah là, je me sens bien !» et tout. Hein. Et toi, tu vas le prendre, tu vas pas te sentir bien comme eux. Eux, il y a du cinéma derrière, tu vois. Il y a du cinéma, il y a de l'acting, il y a tout. Ils sont en groupe, ils sont ensemble, ou alors il y a le caméraman qui ambiance et tout. Donc, ils se sentiront bien quoi qu'il arrive, même s'ils prennent rien. Toi, tu es tout seul, tu es chez toi dans ta séance. Tu vas prendre un produit, tu vas prendre un complément alimentaire, tu vas pas te sentir bien comme eux. Ok, que ce soit complément normal ou même anabolisant. Ok, tu vas pas te sentir bien directement. Tous les produits, légaux, illégaux, tu vas ressentir les effets avec le temps et pas tout de suite. Ça, c'est important. On y va pour la troisième. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10, pronation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, prendre des compléments alimentaires, je vais y arriver, ça aide. Ça aide pour ta progression en musculation. Ça t'aide à avoir un meilleur physique. Ça t'aide à te sentir mieux, à faire de meilleures séances, à aller plus loin. Ça aide. Mais pour ça, il faut d'abord savoir s'entraîner sans. Ok ? Les compléments alimentaires en général, mis à part la whey, que tu peux commencer direct, tu les consommes quand
t'as une petite base de muscu. Tu fais de la muscu, tu te sens bien, ça va et tout, mais t'aimerais faire de meilleures séances, aller un peu plus loin. Donc là, tu as commencé à prendre des BCAA, des EAA, de la créatine, pour avoir un peu plus de force, des oméga 3, tout ça. Voilà, tu as commencé à varier les compléments des pré-workouts. C'est là où tu as commencé à te sentir mieux, ok? À aller plus loin. Ça, c'est important. Il faut le faire de cette manière-là. Là, c'est notre dernière. On fait ça bien. On reste focus. On y va. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Pronation. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On est bon. Je mets mon trait. Là, tu peux prendre 2 ou 3 minutes de repos, tout dépend de toi. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va faire du développé militaire arrière. Ok? C'est pas évident. Ok? C'est pas évident. Mais on va apprendre à avoir une bonne mobilité. Position développé militaire. On va légèrement mettre ses épaules en arrière. Faut que les haltères, tu vois, ils dépassent la tête. Et hop, on envoie. On va faire ça bien. On va balancer 12 reps. Et puis, voilà, tranquillement. Avec 1 minute de temps de repos cette fois-ci. Allez, on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Je mets mon temps de repos. C'est parti. Voilà. Ça va être très vite. Là, tu vois, si tu as une chaise avec un dossier, tu te sentiras mieux. Tu pourras mieux faire ta série. Moi, j'ai mon banc, malheureusement. Et si t'as un tabouret, ben, tu seras dans le même cas que moi. Comme ça, on va pas me dire, oui, dames, j'ai pas de chaise, je peux pas le faire. Mais c'est mieux de le faire sur une chaise. Comme la plupart des exos que je fais. Assis, c'est mieux de les faire sur une chaise avec un dossier pour le dos. C'est un bon exercice, je le faisais beaucoup avant à la barre. Mais je pense que je vais le refaire. Je vais le refaire. Plus aux haltères, j'ai un meilleur ressenti qu'aux haltères à la barre. Parce qu'à la barre, j'ai toujours un bras qui va plus faire le taf et j'ai plus d'amplitude aux haltères. Vraiment, 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 beaucoup plus. Allez, on y va, on part pour la deuxième. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Là, ça va aller vite. Parce que le temps de repos, il est court. Mais on va se faire mal. Et juste après, j'ai un programme pec triceps à faire. C'est incroyable. Sinon, j'espère que ça va là. Que tout se passe bien pour toi. Que la séance n'est pas trop dure. Ou n'est pas trop facile. C'est trop facile, c'est les poids que tu prends qui sont trop légers. Et puis voilà, hein, j'espère que tu passes un bon moment avec ces programmes split. Parce que pour moi, encore une fois, c'est la meilleure façon de progresser en musculation, c'est de faire du split, clairement. Enfin, surtout quand on a le temps de faire ses splits. Là, après, je vais prendre un café, il sera royal. Un café avec des viennoiseries, mais j'en ai plus. J'ai plus de viennoiseries. Mais je vais voir ce que je vais prendre après. Allez, on y va. C'est la troisième. Hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, reste une dernière.
Il en reste une dernière et on est bon. On a fait dos biceps et dos épaules. Je sais que là, ils vont me dire, c'est quoi le meilleur? Bah, tout dépend de toi. Il y en a parfois, ils aiment bien bosser le dos et les biceps, comme moi. Et d'autres, comme moi aussi, qui aiment bien bosser le dos et les épaules. En fait, moi, quand j'ai envie de bosser le dos et j'ai pas envie de bosser les biceps derrière, eh ben, je fais dos et épaules, ok? Ou alors, je fais juste dos. Parce que je te spoil un tout petit peu. Là, je te fais des programmes split, mais après, on va faire des points faibles 2.0. Et oui, les gars, points faibles 2.0. On part sur du split, programme 2.0, et après, points faibles. Oui, on va faire ça bien. C'est important. Et là, on repart pour la dernière. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ok. On est bien. D'ailleurs, j'espère que j'ai fait 12 reps à toutes mes séries, que j'ai pas fait 10 reps. Comme les premiers programmes où je devais faire 15 reps et j'en faisais 10. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce programme. Si c'est le cas, mets un j'aime. Mets un commentaire, c'est important. Sur le site de MyProtein, tu mets le code DAMS, ok? Ça m'aide, ça me soutient, surtout si tu passes par mon lien. C'est important. Dans tous les cas, tous les liens sont en description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Merci beaucoup pour la force et le soutien que tu m'apportes. Roi tout, 20K d'abonnés. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.